se retrouve pour une vidéo un peu particulière vu que je suis accompagnée de mon frère Romain. Salut. Voilà, l'âme innocente de mes concours. Et aujourd'hui on va faire le tag 1, 2, 3 que j'ai vu sur la chaîne de Skip Miu. Donc voilà, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, qui est belge aussi, donc si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, allez-y. Nationaliste. Nationaliste, voilà. Belgique, oh Belgique, la patrie, non. Tu n'es pas nationaliste. Non, moi je suis internationaliste, voilà. C'est différent. Donc si vous ne connaissez pas le tag 1, 2, 3, en fait je vais essayer de l'expliquer parce que c'est un peu compliqué, voyez-vous. Donc on va poser une question du genre, notre plat préféré, on va faire 1, 2, 3. Lui doit deviner quel est mon plat préféré au bout de 3 secondes et moi je dois faire la même chose pour lui. Donc voilà, on va commencer. Ça a l'air compliqué. Ouais, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo comment ça fonctionne, c'est ce que tout le monde dit sur YouTube parce que par contre t'arrives à l'expliquer. Non, je vois le concept mais par contre, penser un truc en 3 secondes, à mon avis... Ça va être chaud. Ça va être voilà, y a beaucoup dizaine, de hasard. Il y a une dizaine de questions. Au départ, je pense qu'il y en avait 7, mais comme j'aime pas les chiffres impairs, j'ai un peu pioché vers tous les tags pour voir, pour en remplir et pour en faire 10. Parce que c'est toujours mieux. On aurait pu en faire 12 aussi, comme les 12 travaux d'Hercule, mais voilà. 7, ça fait le 7 péchés capitaux, je sais pas. Ah, c'est vrai ça. Le 10, par contre, ça fait. Il y a un tag qui s'appelle. Ça fait les 10 tags de Lola. Voilà, moi. Donc, la première question, on y va. T'es prêt? On répond pour toi ou on répond pour moi? Eh ben, on peut commencer par toi. D'accord. Maria est une star, donc qui ce serait? Donc 1, 2, 3, Daniel Burke. Alors c'est le mec qui fait Rush, là, Niki Loda, là, voilà. Daniel Burke, donc ouais. Je vous ai déjà montré dans la vidéo. Ah, j'ai bon. Ouais, t'as bon, trop fort. Il est trop fort. C'était dans la vidéo, je crois, le tag anti-boyfriend, le mec, que j'ai dit que j'avais 3 films avec lui et que... Ouais, c'est ma star. Ouais, l'amour de ma vie. Il y a des photos partout. Dans ma chambre, ouais. Ils sont au courant. C'est vrai que c'était pas compliqué à deviner celle-là. Non. Bon. Alors, à toi. Il boit donc je vois. Si je devais être marié. Bon déjà moi j'aime pas le mariage donc ça va être chaud mais bon. On va dire si tu devais sortir avec une star quoi. Ah si je devais sortir avec une star. Prêt. Ok. 1, 2, 3, Grace Park. Ouais, bon. Ouais, Grace Park ou bien alors celle qui... Ou Polly Walker. Ah ouais. Mais ouais. Voilà. Polly Walker. Bah, un peu vieille, dira tout, ouais, mais quand vieille. Même, tu vois, j'ai beaucoup aimé son interprétation dans Rome et dans Caprica. Enfin, c'est la seule fois où j'ai vu. Si vous connaissez pas cette série, Caprica, c'est un. Il faut regarder. Ouais, c'est à voir, c'est un truc qui se passe. Ouais. Pour ceux qui connaissent Battlestar Galactica, en fait, c'est un prequel. Bah, c'est une espèce de série pilote en fait, voilà, pour ça. Annoncer Battlestar Galactica. Ouais. On va dire ça comme ça. Ça annonce la création des. Ça raconte la création des Cylons. Ouais. Très intéressant. Voilà. Quant à Rome, elle est intéressante aussi. Rome, c'est une série historique qui raconte l'histoire de deux légionnaires, enfin un centurion et un légionnaire, et ils vivent un petit peu l'intrigue du passage de la République à la dictature de Jules César, et puis, et puis à l'empire de Auguste. Et donc, bah, c'est assez intéressant, c'est pas enfin, historiquement intéressant, ouais, plein mais de mais ça, c'est dur aussi, quand même. Oui, beaucoup de violence, beaucoup de sexe. Bon. Si vous aimez Game of Thrones, c'est pire. C'est différent, c'est différent. Différent. Mais je pense que c'est d'un niveau équivalent. Je sais pas si c'est aussi bon ou, moins bon, mais c'est d'un niveau équivalent. Donc. Si je devais être une star, qui ce serait? Ouf, gosh. Si tu devais être une star. Oh merde, ok, pas. Mais c'est pas grave, on le fait, vas-y. Enfin, je vais faire celle que je crois que tu connais. 1, 2, 3, Lady Gaga. Non, Luce. Mais tu la connais pas. Luce, non, non. C'est une fille qui a fait une nouvelle star. Et... Ah, une bon. Rousse, grosse, une grosse rousse. Une grosse rousse. Voilà. Je t'imagine pas en grosse rousse. Enfin, t'es rousse, mais. Non, mais c'est une fille qui a un style un peu décalé et tout ça, et qui fait des vidéos, c'est toujours un peu humoristique. Elle fait notamment une vidéo avec Max Boublil qui fait « Moi j'aime les moches ». Ok, voilà. Tout à fait. Alors, si toi tu devais être une star... Mais j'en ai aucune idée moi-même. Une star, attends, genre cinéma ou genre machin truc Ouais, cinéma. Oh putain, ok, allez. Mais je connais pas son nom d'acteur. Deux, trois. Le mec qui fait Dexter. Moi j'aurais dit DiCaprio, tu vois. Mais parce que c'est un bon acteur, tu vois. Et parce que DiCaprio, quand même. Tu l'as pas dit en même temps que moi. Ouais. Ou alors, peut-être. Non, le type qui fait Phil Jennings dans.
Ah ben non, je le connais pas en tant qu'acteur, donc je n'en sais rien. Non, désolé. DiCaprio, tu diras? Oui, enfin, c'est un de mes acteurs favoris, donc... ouais, ça va, ça va. Ou peut-être Eastwood. Clint Eastwood. Oui, quand même. Ouais, ouais, en fait, Clint c'est Eastwood. Quoi? Ouais. Quand même. Je te vois plus... Si. Dites mode... la manière dont je tiens ma clope sur le côté et que, j'en suis, que j'ai un air à Clint Eastwood comme ça, donc... Bon, ouais. Bah, Clint Eastwood, dites ce que vous en pensez en commentaire. Non, ne le dites pas, je n'ai pas envie de me prendre des insultes ou des trucs comme ça. Genre, et dites-moi si vous me voyez aussi en Luce. Je sais bien qu'il y a un de mes abonnés qui se reconnaîtra et qui va dire « Ouais, Luce !» Voilà. Suzanne. Donc si tu te reconnais, mets un petit pouce bleu à ma vidéo. Voilà. Alors, on va acheter du lait dans un magasin. Qu'est-ce que moi je vais toujours acheter? Ok. 1, 2, 3, des flancs. Mais non, des Oreos. Ouais, ça va, je veux dire, tu prends aussi beaucoup, toujours des flancs. Non, je prends pas de flancs. Si. T'arrêtes pas de prendre des flancs. Ou des mousses au chocolat. Ouais, des mousses au chocolat. Ouais, c'est vrai. Bon. Pour moi? Ouais. 1, 2, 3. Des abracis. Ah oui, ou des pâtes. Des pâtes. Oui, c'est ça. T'achètes souvent des pâtes, en fait, quand on va faire des pâtes. Mais c'est parce que je mange. Voilà. Que des pâtes. Plus ouais, ça, c'est l'un des plats, ouais. C'est l'un des plats que je sais faire. J'ai pas un talent très, très étendu au niveau de la cuisine, donc voilà. Ouais. Mais des pâtes, oui, ça, des abracis. Ouais. Voilà, la preuve. J'aurais dû y penser. Bon. Alors, si tu devais te débarrasser d'un de mes défauts, qu'est-ce que ce serait? Oh. Un, deux, trois. Oh non, toi, l'impulsivité. Non, moi ce qui m'énerve, c'est que tu prends tout le temps la tête comme ça. Ouais, je m'énerve vite, c'est l'impulsivité. Enfin, le fait non, que je mousse tu, prends, vite. Tu te prends la tête. Je m'énerve vite. Toi, tu t'énerves vite, mais tu passes jamais un sujet, tu laisses jamais. J'ai pas le mot pour ça, tu vois, mais c'est le. Ouais, je vois. Enfin, moi c'est ce que j'appelle l'impulsivité, tu vois, le fait t'es pas, que. Je... T'es pas easy living. Il y a un moment, faut laisser les trucs aller, quoi, tu vois. Mais c'est ça, c'est l'impulsivité. Non, c'est pas l'impulsivité. Mais si, parce que l'impulsivité, c'est quand tu prends une décision super rapidement ouais, sans trop réfléchir, ce qui est un de tes défauts. Mais ça, ça va, c'est pas ouais, grave. Je ça, suis ça, pas... ça donne le côté original. Je suis pas. Mais tu par vois, contre, quand il y a un truc qui te fait chier ou quand il y a un truc que tu veux, j'ai un peu le même défaut, mais c'est genre. Bah en gros t'es chiant en fait hein. Ouais voilà, enfin je veux dire c'est chiant. Ça. Bon. C'est ça aussi les grandes sœurs, c'est chiant. Ok. Bah... Donc vas-y, un de mes défauts. Ouais. Un, deux, trois. J'aurais dit le manque de confiance en moi. Ouais. C'est normal en fait qu'on n'arrive jamais à être synchrone, c'est parce que moi je fais des... Toi tu dis un mot, moi je fais une longue phrase, je dis la même chose. Mais je. Ouais, mais il extrapole. Mais j'aime bien parler en fait, pour ne rien dire. Ouais. Cette famille, ça je crois. Dans mes vidéos, je parle toujours et je dis rien finalement. Alors, la phrase que je dis le plus souvent. Oula. Ok. Bah, moi je le sais pas. Enfin, il y a une expression, mais. 1, 2, 3. Oh my god. Ouais, oh my god. Ou alors c'est nickel chrome aussi. Ouais, oh my god, je le dis souvent aussi. Alors. Le mot, c'est un mot ou une phrase? Ben après il y a le gros mot, mais ça peut être un mot, ouais. Ah non, mais attends. C'est la phrase que je dis le plus souvent. Mais la là, je phrase que je dis le plus souvent. Ah si, okay. Mais c'est plus, ça peut être considéré comme un gros mot. Je ne sais pas, on y va. D'accord. 1, 2, 3, 5, révolution, j'en sais rien. Ah oui, révolution. Bah la révolution, je sais pas, nous faudrait une révolution, ouais, quelque chose comme ça. Il n'y a pas une phrase que je dis plus souvent que les autres. Ouais, c'est vrai. Si calme, enfin. Mais ça me fait chier, je le dis souvent. Bonjour camarade. Ouais, bonjour camarade. Ouais. Voilà. Il appelle tout le monde camarade. Oui. Vous êtes ses camarades. Non, je l'ai. Enfin, peut-être. Bah oui. On est tous. On est tous camarades. Alors, le gros mot que je dis le plus souvent. Un, deux, trois. Bordel. Non, j'ai jamais bordel. Non, en fait, tu dis jamais bordel, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir, on a que 3 secondes. Donc, ouais, t'as raison. Putain. Un, deux, trois, fais chier. Ouais. Fais chier, ouais. Alors, une météorite frappe la Terre. Donc, il y a la famille qui est sauvée. Puis celle-là. Météorite? Où ça? Mais je sais pas, il paraît. C'est vraiment là maintenant. Ça y est. Non, mais bon. Une météorite frappe la Terre. Oui. Alors, il y a la famille, les animaux, les photos, et ils sont sauvés. Qu'est-ce que moi je sauve? Okay. Un, deux, trois, la caméra. Voilà. D'office. Bon. Parce que sans vous, je ne suis rien, non? Ok. Alors, toi. Un, deux, trois. Moi-même.
Ah ouais, toi-même. Moi-même. Bah oui, non, mais attends, faut arrêter de déconner, hein. Je veux dire, la famille, les machins sont sauvés, qu'est-ce que vous sauvez? Mais mon corps, je sais pas, moi. Je veux dire. Mettez-moi si vous pensez qu'il est égoïste dans les commentaires. Excuse-moi, entre un livre et. Bon, les livres, c'est bien. Ben ouais. Mais bon, si quelqu'un pense à poser. Si quelqu'un pense à sauver la famille, à sauver les animaux, et à sauver les photos, et à sauver la caméra. Mais il y a bien quelqu'un qui pensera à sauver un livre et moi je peux me sauver tout seul. Du coup vous êtes tous morts et moi je récupère tous les objets qui ont été sauvés. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps la question elle est pas claire. Est-ce qu'on parle objet? Parce que si on parle objet, je sauve ma caméra. Mais si on parle pas objet, moi je pars. Déjà une fois il y a mon grippin qui est cramé, j'ai même rien sauvé de tout, je suis dégagée. Des grippins, ouais, c'est dangereux. Des grippins, c'est dangereux. Ouais. Un jour ils se sont rebellés. Ouais, c'est ça. Si vous comprenez aussi, mettez un petit pouce bleu. Je sais bien qu'il y en a qui comprendront. Mais bon, ouais. Alors, ma principale qualité. Ça va être dur, hein, ça. Oh, toi aussi. Bon. Un, deux, trois. L'originalité. Ah. T'as dit quoi? La générosité. Ah, l'originalité. C'est vrai. Merci, merci. Ok. Toi. Un, deux, trois. La rationalité. Ah ouais. La rationalité, être à l'écoute. Écoute, ouais, t'es quelqu'un de droit, comme je dis. Bah, je dirais qu'il y a la... Bon, non, en fait, C'est un peu difficile, je dis, sa principale qualité, c'est quand même qu'il est à l'écoute des gens et à ses droits et qui sait où il va. En fait, on peut pas dire que j'ai une qualité principale, voilà, parce que j'en ai beaucoup et faire le tri entre toutes ces qualités, c'est un peu... C'est très difficile, étant donné bonjour, Narcisse. Ouais. Alors, mais donc voilà YouTube, je pense qu'on va vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu, de mettre tout ce que vous voulez dans les commentaires, sauf des insultes, sauf je sais pas quoi. Voilà. Bon, voilà, ouais. Donc on vous dit à très bientôt. Vous avez le droit de laisser des commentaires pour dire que c'est bien. Voilà. Mais pas pour dire que c'est mal ou pas pour nous insulter par rapport à cette vidéo un peu. Voilà. Et du coup, parce que sinon, on retrouve votre adresse IP grâce à la NSA. Et. J'ai des contacts. Voilà, c'est ça. Et après, on va vous envoyer à Guantanamo. Voilà. Bon, c'est à Cuba, mais c'est pas cool. C'est bien. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je l'ai déjà dit. Je termine comment toujours en vous disant have a nice day. Goodbye.